14h30. Oh, depuis tout à l'heure, il y a de la propague. J'étais sur les sup en train d'écouter la 655, département français et tout qui repasse à nouveau aujourd'hui. Là, je viens de descendre sur 19, je vois que c'est pareil. Oh, c'est bon ça. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Oui, tout ça retourné. Oui, la première station qui a répondu, le 73-51. Oui, oh ben ça y est. Ah putain, pourtant je te connais bien, ouais. Le nord de France, les 73 retournés. Ta modulation, ça, j'en reconnais entre mille, il n'y a pas de problème, mais voilà, aujourd'hui ça bug. Les 73-51 également retournés. Ouais, affirmatif pour le centre France. Alors, je t'ai sorti au milieu d'un bois-bas pas possible. Les 73-51, le centre France de la part de Dundee 33 au QRA à côté de Saint-Émilion. Ouais, Cédric, plus 20. Oui, c'est, je crois, c'est Cédric ou Lionel. Oh, je sais plus, à chaque fois je me mélange un petit peu sur les deux. Plus 10, plus 20 de mon côté, la Belgique. Cédric. Ouais, voilà, donc je me suis pas trompé, c'est bien Cédric. Oui, plus 10 hein, de mon côté. Tu me casses, c'est pas compliqué, j'ai l'aiguille là qui vient de faire 3 tours. Hein. Oui, la Normandie, les 73-51 de Dundee 33, le département de la Gironde. Oh, oui, ça crache. Les 60, j'ai cru entendre au milieu de tout le monde Nounours. Les 73 Nounours de Dundee 33, là je suis au QRA actuellement. Putain, mais c'est la cacophonie totale. J'ai entendu le Tour de France, les 73, la station là qui est visiblement du côté du Tour de France. J'ai un petit peu de mal à sortir. J'ai juste entendu ce mot-là au milieu d'un bouhaha pas possible. Hachi, les 73-51 de Dundee 33. Oui, pour Papa Mec, les 73-51 de Dundee 33, voilà, Rémi au QRA sur Sainte-Colombe, à côté de Castillon-la-Bataille. Ouais, les Noirs, le nord de France, les 73-51 également, voilà, de la part de Dundee 33, Rémi, sur le département de la Gironde. J'y comprends plus rien de mon côté, j'y comprends plus rien. J'attrape quelques mots, quelques syllabes comme ça au passage. Si je colle le tout, c'est même plus du français pour le coup. Allez, je vais faire un petit tour sur les ondes, voir un petit peu ce qu'il y a plus bas, plus haut, en bas, au-dessus. Putain, ça ressemble à une partouche tout ça à force. Allez, je vais me promener, je reviens. Alors plus sérieusement, voyez, en radio, en CB, en radio, peu importe, le but est d'aller, comme je le fais là,
chercher, fureter à droite, à gauche. Et trouver quelque chose comme là, là, juste avant. C'est vrai que je suis pas un adepte de la FM, mais j'y vais quand même, c'est pas le problème. Il y a quelque chose là. Ouais. Donc pour ceux qui découvrent, il n'y a pas que la FM qui passe bien, il n'y a pas que la BLU qui passe encore mieux, il y a aussi l'AM. Comme là on a vu avec les départements français. Donc là, c'est ce qu'on pourrait dire du grand local. Alors là, 2735, canal 15. Ouais, je sais que là, il y a du monde de ce côté-ci. Je sais pas si c'est eux qu'on entend. Ok. Alors, puisque là je suis en AM, pour ceux qui sont équipés de récepteurs ou comme là de décamétrique, le soir, la nuit, il y a une fréquence qui est intéressante à écouter. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose. Là je suis pas sûr que ça passe la vue d'heure. Ouais. 1548 kHz. C'est une radiodiffusion qui est là. Donc les faire le col, vous pouvez l'attraper dans la voiture, hein. Pour ceux qui ont les petites ondes, les grandes ondes, en plus de la bande FM, allez faire le curieux, ça vaut le coup. Putain, la vache, ça passe fort. Ah. C'est vrai que là je suis sur cette partie là des fréquences anglaises. Je me suis appuyé sur jusqu'où ça va déjà. Faut que je regarde sur internet quel est leur plage d'utilisation. Tiens, voilà. Pour en revenir à la M. Si on écoute, si on écarte, pardon, le type d'utilisation qu'ils en font, car moi je juge pas. Je pense que la CB, on peut l'utiliser de la façon que l'on veut. D'autant plus qu'eux sont sur leur fréquence habituelle, donc ils ne dérangent personne. Mais pour revenir au mode AM,
Là, vous voyez les signaux, ça nous arrive de l'Italie. Oh la vache, oui, plus 10. Plus 20, quasiment. Comme quoi, la M aussi passe très fort. Bon là, c'est pour le mode d'utilisation, on pourrait dire la partie folklorique de la CB. Les Américains en sont très friands aussi, d'une certaine d'une façon un petit peu différente. Sur le canal 6 normal, c'est-à-dire 27.025. À propos de ça, je ne sais pas entendu tout à l'heure. Maintenant, si la propague est du côté Italie, département français, là, ça risque pas de passer. Alors là aussi, hein, tout comme le canal des Italiens, c'est la cour de récréation. Faut même pas chercher le côté intellectuel dedans. C'est la cour de récréation. C'est le défouloir. Et tout le monde s'entend très bien comme ça. CQ DX, appel de 14 km 3301 et qui vous propose un QSY sur le 27 595 27595. C'est parti pour moi. Il faut être court et précis dans un appel. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Waouh! Oui, le Morbihan. Oui, les autres stations qui ont fait également QSY sur la fréquence. Les 2713-51 à vous tous, de la part de 14 km 3301 opérateur Rémi, QRZ local sur la Gironde d'Andy 33. Le Morbihan a été le plus rapide. Retour sur le Morbihan. Allez, salut Rémi, là. Content de te retrouver là. C'est contacté le 6 juillet, tu vois, c'est pas ouah. Mais quand j'ai entendu cette voix mélodieuse, c'est pas pu l'empêcher que de venir te saluer. Juliette Mike 02 Jean-Marc qui te retourne le micro. Ok Jean-Marc, ouais ben j'aurais pu être plutôt là en fréquence là aujourd'hui, mais j'étais pris là du côté justement, tiens je suis en train de faire une nouvelle vidéo là si ça dérange pas, voilà j'étais en train de répondre justement là, à des OM sur YouTube. Là, j'avais pas mal de messages dessus et là j'ai passé bien 2 heures là, tu vois, non, ah si quand même. Ah si, quand même. Je viens de passer la 2 heures là à répondre de ce côté-ci là au message. Oh putain, le temps passe vite. Hachis 3 coups. Voilà. Et tac, quand j'ai vu là que ça commence à... Depuis tout à l'heure, je piétine. Mais ici là, faut que je lâche, faut que je prenne le micro. Voilà, ça y est. Je suis passé en premier temps, dans un premier temps sur lequel à 19. Là, c'est pareil, ça passe tout aussi fort. Hein. Les mêmes signaux. La Belgique à 9 plus 10, 9 plus 20. Toi, même sur le 19, on a... Ça passe avec la même force de signal que du côté BLU. Retour. Plouf. Wow, la propague m'a joué un tour là, on dirait. Bon, ben, je sais pas si tu m'entends. Ça a été très court, mais très bon. La propague, elle nous a joué un tour. Comme quoi, d'un seul coup, elle a décidé de pouf, partir dans un autre sens. Alors là, on peut dire que ça fait partie de la magie de la propague, de la radio. Pardon. Là, j'ai rien compris. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, je dirais que
J'aime ce côté total improvisation, parce qu'on ne gère rien. Voilà, c'est pareil, je m'adresse aux nouveaux hein, qui découvrent la radio. On ne gère rien. Je veux dire par là qu'on est dans un monde, tout doit être millimétré. Trop même, beaucoup trop même, puisqu'il n'y a plus de place à l'improvisation. Là, c'est la totale improvisation. Je démarrais une discussion avec quelqu'un, pof, la propague a tourné ailleurs. Bon, ben ok, c'est le jeu. Je retourne là et je recommence. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 qui lance appel et propose un QSY sur le 27 595 27 595. C'est parti pour moi. 0 0 CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion, après avoir perdu la station là tout à l'heure. Ça c'est pour la petite parenthèse, et repassons l'écoute. Bon ben d'accord, la propag a décidé de me jouer un tour là de mon côté et de tourner ailleurs. Eh ben c'est pas grave. Dans la déconnade, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bon. Ah, quand j'ai allumé la station là tout à l'heure, c'était la totale cacophonie, là, comme on a entendu au début de la vidéo. C'est et en BLU, j'aurais dû commencer par là, c'est pas grave. Et répondre aux messages sur internet après. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Il y aura d'autres occasions de toute façon. Et ça c'est certain, puisque on est sur un cycle de propag, ben déjà propagété, déjà dans un premier temps. Et propague montante, puisqu'on est sur le début, enfin à la montée du cycle 25. T'as là aussi, hein, ça fait plouf, plouf, plouf. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion, au QRA. Le département 14, les 73-51, de la part de Dindy 33, Rémi, indicatif 14 km 3301. Voilà, je suis là sur un petit village, Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion, là, je suis au Cuira. Mais c'est la propag nous a fait un plouf complet, et là j'ai eu du mal, vraiment du mal à vous à te sortir. Heureusement que j'ai un filtre DSP là derrière, là, qui m'a un petit peu nettoyé le son. Parce que là, ça a été coton là pour arriver à sortir. Alors que là, il y a quelques minutes de ça, il y a un quart d'heure de ça environ, j'ai eu la Belgique qui m'est passée 9+10, 9+20, et idem pour les autres départements, là ça passait très fort. Et là, pouf, d'un seul coup, c'est tombé. Ouais. Ah, il est derrière, mais... Ah,
Ah ben alors là, je t'ai complètement perdu. Je sais pas si t'es encore en train de parler ou t'as relâché le micro. Bon ben c'est pas grave. Elle est partie, elle reviendra tout à l'heure, ça c'est sûr. Bon ben les bonnes 73-51, bon QSO de ton côté. Et à plus tard, sinon à la prochaine sur les ondes. Il me semble le deviner, j'en suis pas sûr, encore deux derrière, mais bon, c'est pas garanti. Il y a quelque chose, hein. On entend gazouiller derrière. Il faut vraiment avoir l'oreille hein, pour. Les Martiens débarquent. Ah, il y a des bruits bizarres des fois sur la bande. Alors, quand on voit le niveau du signal comme ça, assez, pardon, assez haut, c'est pas toujours des parasites électriques. Hein. Je vais essayer de parler français hein, et non pas Sibi. C'est pas toujours des parasites électriques, hein. Ça peut être des parasites, des bruits atmosphériques, voire même solaires. D'ailleurs, à propos de ça, on trouve des articles justement sur Internet, dont des vidéos ont été faites à partir de matériel tellement pointu qu'ils ont pu enregistrer des sons de différentes planètes. C'est assez intéressant à écouter, là, à découvrir. Et d'ailleurs sur le forum, dans la rubrique radio amateur et tout autre radio, j'ai même plus le nom en tête. Hein. Il y a un article justement qui montre le son de la Terre. Alors, dans la déconnade, on n'entend pas des coups de klaxon. Hein. Non, non. Mais comme les autres planètes, ça a un son particulier, quoi. Alors, voilà, sur la plage des 40 canaux, c'est entre. Et plus particulièrement. Entre allez, on va dire entre le 30 et le 40. En gros, hein, c'est surtout en Lima, Sierra Bravo, en LSB que sont les stations. Enfin, je parle pour le côté des X. Avec comme fréquence d'appel, voilà, 27 385 LSB. Alors à ce propos, du côté des 40 canaux, il y a le 27025. 05. Je vais y arriver. Alors là, je ne sais plus si c'est en USB ou LSB. Mais c'est aussi une fréquence d'appel DX. Hein. Elle était surtout utilisée autrefois, dans les années 70, par là. Sur le forum, la planète Sibi francophone, justement, des OM sont en train de la réactiver, de la remettre au goût du jour. Voilà, c'est plutôt ça. Pour montrer que on peut faire la même chose hein, que sur les SUP. Ah, évidemment.
là je vois venir. Si tous les OM qui sont sur les SUP descendent faire du DX du côté des 40 canaux, là c'est sûr que là ça va pas marcher. Ça va être une cacophonie totale et ingérable. Bon bah ok. Oui, faut fouiller. Passer 10 fois, 20 fois sur les mêmes fréquences. Eh bien, ça parle français. Vu l'accent, ils sont pas sur le sud-ouest français. Bon, on va les laisser tranquilles. J'ai entendu quelque chose. Ouais, c'est parti sur d'autres pays. Alors, si vous reconnaissez l'accent, je sais pas, j'aurais envie de dire l'Angleterre, mais bon, je suis pas sûr. Ah, je me trompe, j'arrive pas à reconnaître les accents. Pour ceux qui découvrent, hein, toujours pareil, hein. On n'entend plus les départements français. Pourquoi? Ben parce que là, vous trouverez des trucs sur Internet. Mais la propague fonctionne, les ondes fonctionnent au niveau de la propague par rebond sur les couches atmosphériques. Bon, j'ai pas les noms en tête de ces différentes couches. Bon, tout ça, c'est marqué sur Internet. Donc ça fait des rebonds. Et suivant la force de la propague, ben les rebonds peuvent se faire sur le département français ou quand ça devient un peu plus fort, et bien attraper plus loin. Autrement dit, pour... ouais, j'ai parlé charabia là. Complet. Même moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Mais tout ça pour dire que là, pour le coup, eh bien, on passe au-dessus là, des départements français. Les ondes passent, les rebonds là, se font au-dessus des départements français parce que les stations sont toujours là. Hein. Et eh bien, pour le coup, on les attrape plus, mais on attrape plus loin. Bon, débrouillez-vous avec cette bouillie. Alors, pour revenir au concret, on se balade un petit peu avant. Ça m'a l'air propre ici. Alors, je pourrais très bien faire lancer un appel sur la fréquence d'appel, sur les fréquences d'appel et faire QSY en terminaison 0. Mais j'essaie au maximum de tenir compte de ceux qui n'ont pas les décalages en fréquence. Ah ben juste avant j'ai écouté là, il n'y avait personne. Là maintenant si, ok. Ah ben comme tout à l'heure.
Ok. Il me semble entendre français. Ouais. Peut-être que là, ça va retourner sur le département français, possible. Oh oui, j'ai l'impression, oui. Peut-être. CQE, CQE, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et propose un QSY sur le 27-595. 2, 7, 5, 9, 5. C'est parti pour moi. CQE, CQE, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Alors vous avez remarqué que quand je donne la fréquence du... Oui, les 73 à vous, de la part de 14 km 3301, Rémi. Voilà, sur le sud-ouest de France, c'est un petit village Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Tout à fait. Écoutez, mon cher ami, on ne peut pas résister quand on entend ce nom magique. Évidemment, nous, on ne fait qu'un tour. Un chi trois coups, j'ai compris la Belgique. Ah non, non, moi, je ne suis pas belge, je suis nord-breton. Nord-Breton, oui, bon, je plaisante, je déconne. Le département 29, non, à tout hasard? Non, 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 c'est le département 22, voilà. Je suis près de la Manche, mon cher ami, voilà. Si vous voulez dire 28, oui. Alors pour les Belges, oui, ben, je sais, ben, vous pouvez marier votre bon vin avec leurs frites. Ok, oui, voilà, ok, j'ai la carte, j'ai une carte de France, là, devant moi, avec les numéros de département. Ah oui, pour être le Nord-Bretagne, c'est le Nord-Bretagne. Là, y a pas à douter. C'est une belle région, d'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, à l'occasion de vacances, j'étais passé là par là-bas, avec l'XYL, on avait fait justement le tour de la Bretagne. Et c'est vrai qu'il y a des très jolis coins à découvrir par là-bas et tout ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien sympa. Quoi. Oui, tout à fait, alors plus précisément, la ville est la ville de Dinan, à côté de Saint-Malo, de moins pas loin, bien sûr. C'est le panneau d'opérateur et Alain. Si vous voulez, je vous dis, ah oui, au niveau de la... Ah oui, mais c'est un peu paradoxal, je vais vous dire ça, mais vous répéterez pas, bien sûr, on va s'arrêter entre nous. Eh si, bien vu la blague. Ah ben moi c'est pareil, hein, des fois ça déconne plein pot, hein, ça déconne plein tube aussi, hein, je le reconnais. Hein. Et en plus, pour ma part, bon, je travaille la nuit, je travaille le jour, c'est un millimélo complet. Des fois je sais même plus où j'habite, hein. Et je suis sans arrêt en train de chercher mes mots, les noms, les ceci, les cela. Alors là, ça devient l'horreur totale. Il y a des fois, je suis complètement à l'ouest aussi, ouais, au secours, hein. Ah, bah en plus, c'est vrai qu'avec le rythme de vie que j'ai entre bosser la nuit, bosser le jour, jongler comme ça sans arrêt. Comme, tiens, pour la petite anecdote, hier j'étais en repos, j'avais pas mal de choses à faire, du coup j'étais réveillé à 5h du matin. Bon, ça c'est une autre histoire, j'avais mis le réveil à 7h, bon, peu importe. Arrivé là, hier 18h20, paf, coup de téléphone du patron, faut que je parte travailler de suite pour la nuit. Ah! Ah ben pour le coup j'ai fait le tour du compteur. Hein. Alors c'est clair que là aujourd'hui, avec le peu que j'ai dormi ce matin, you you les petits oiseaux. Retour. Tout à fait bien. Non, non, mais je vois que tout va bien à bord, à part capitaine, donc aucun souci, le bateau ne prend pas l'eau. Que vous voulez dire de plus, oui. Ah ben c'est la première fois, honnêtement, que je fais un vaisseau avec un ami qui fait des 3 vies plus la nuit. Avec un, j'ai un petit peu de mal, pourtant j'ai du bruit de bande, hein, en même temps là qui passe, mais bon c'est partout, hein, c'est sur toute la bande. Hein. Et ce bruit de bande qu'il y a tendance à noyer un petit peu les stations.
Donc, je vais monter le volume, je vais essayer de voir si au niveau du filtre DSP, là, ça doit le faire. Je vais essayer de voir si je peux améliorer ça de mon côté. Bon, je fais du mieux de mon côté, là, pour arriver à mieux vous sortir. Ah la vache, pourtant là c'est coton, hein. C'est très compliqué là de mon côté. J'ai entendu traverser, faire une phrase avec ça, hachis trois coups. Si j'ai bien compris, c'est la première fois que vous avez le département de la Gironde. Non, ça m'étonnerait. Je pense pas que ce soit ça. C'est vrai que là c'est compliqué de mon côté là. J'espère que la propague va remonter un petit peu dans le bon sens, hein, parce que là j'ai vraiment du mal à vous sortir. Ah zut, ça tombe. Bon, ben ça empire. Je suis désolé, mais ça empire. J'ai entendu que vous m'envoyez les 73-51, du moins les 73. Mais bon, là, ça a empiré. Là, pour le coup, j'ai un signal, un bruit permanent avec un signal un bon signal de 3. Vous êtes rendu dedans. Donc là, c'est sûr que là, j'arrive plus à vous sortir correctement. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. Merci d'avoir répondu. Les 73 à vous. Bon QSO de votre côté. Ça passera certainement mieux tout à l'heure. On verra bien. Sinon, je vous dis à la prochaine sur les ondes. Et ben, début septembre, la première semaine de septembre, je monte un peu plus au nord sur le Pas-de-Calais. Donc, le département 22 n'étant pas très loin, si la propague veut bien se faire, et qui sait, peut-être qu'on arrivera à s'attraper un petit peu mieux là à ce moment-là, ou durant l'été, parce que là on est maintenant sur la propagété. Allez, les bonnes 73 à vous. Merci pour ce petit contact vite fait, furtif, mais la propague en a décidé autrement. Elle est partie ailleurs, à la tournée sur d'autres côtés. Merci à vous, bye. Ouais, ça a réussi à passer un petit peu mieux, mais bon, je suis pas sûr que là, si on repartait sur un QSO, ça serait assez cuiro. Bon, on verra bien tout à l'heure au fil des appels, hein, de toute façon. Hein, je suis derrière le poste pour un petit moment encore, on verra bien. Les 73, merci, à bientôt. Les 73 à station, m'a semblé comprendre le département 2. Si c'est bien le département 2, je regarde sur ma carte là où est le département 2. Où est le 2? Qui a volé le département 2? J'arrive pas. Là, je fais pas fort là sur le coup là. Elle est où ma géographie? Le département 2. Au secours. Ou 62 peut-être, parce que là j'en ai peut-être compris que la moitié. Je dis ça parce que là je le vois justement devant les yeux. Bon, bref, peu importe, les 73, la station de 14 km 3301, Rémy, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Département 06, Alpes-Maritimes. Ah oui, carrément en bas à droite. Oui, je vois ça. Ok. Les 73. Eh, mais c'est pas le département où, à côté ou pas loin du département de Divine. Mais si, c'est dans ces coins-là. Peut-être que j'aurai une chance aujourd'hui de l'avoir en fréquence. Et je dis ça parce que je crois de mémoire ou je sais plus. Non, je pense pas l'avoir déjà eu en fréquence.
Mais bon, c'est apparemment la propague a l'air de tourner de ce côté-là. Les 73 à vous, voilà, comme je disais, de 14 km. 33 01 Rémi, QRZN local sur le département de la Gironde, Dundee 33, actuellement au QRA sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe, à côté du pays des ivrognes, Saint-Émilion, H3 coup, retour. Ok, il y a pas mal de fading là de mon côté. C'était un petit peu coton là à décortiquer. Bon, j'ai compris qu'il y avait que vous étiez en mobile. Ça, ok, ça passe super bien là depuis le mobile. Mais c'est vrai que je remarque moi bien souvent, je fais de meilleurs contacts en étant en mobile qu'en étant en cuir. Et oui, l'avantage de la mobilité. Comme quoi, s'il y a des YL derrière, risque de rigoler, la taille ne fait pas tout. Je parlais de la taille de l'antenne, bien entendu. Et non, c'est vrai que depuis le mobile, c'est vrai qu'en général, moi c'est pareil. Hein, j'apprécie mieux même. J'apprécie mieux même depuis le mobile. Parce que là, on va un petit peu à la chasse, on va un petit peu à la pêche. On tourne à droite, à gauche, on garde, on s'arrête, on repart pour trouver l'endroit qui passe le mieux. Il y a une autre excitation qui se fait derrière ça. C'est que du bonheur. Même si au QRA, on prend quand même du plaisir. Hachi. Alors de mon côté, là, les conditions de trafic, eh bien, je suis sur un Yazu FT450AT. Et comme antenne, bon, ben, c'est une antenne verticale qui n'est pas très haute, à 9 mètres de haut. Une Sigma Manto à 8. Retour. Ok, c'était un petit peu compliqué. Dans une vallée, si j'ai bien compris, vous êtes dans une vallée. Eh bien, là, il y a de la prouesse dans l'air. Parce qu'en principe, on recherche toujours des points bien dégagés, terrain adéquat, pas mal d'humidité, on va dire, autour. Alors l'idéal, c'est une île en plein milieu d'un lac, H3 coup, bien sur un joli promontoire. Là, ça serait le top. Mais là, vous, si j'ai bien compris, vous êtes dans une vallée en plus. Eh bien, bon, j'ai pas compris les conditions de travail, les conditions de trafic. Mais bon, c'est depuis la vallée où vous êtes, oui, là, chapeau bas, hein, je dirais même. Ce décortiquage qu'il faut faire. Hein. Ah! Hop, ça fait plouf de mon côté. Je vous ai complètement perdu. J'ai entendu une autre station là qui m'a monté d'un seul coup à signal de 4. Bon, ben, la station du département 06, ben, désolé, la propague a encore décidé autrement. Tout à l'heure, j'étais avec le département 22, ça a été un petit peu compliqué, puis pareil, hein, c'est parti ailleurs. J'ai entendu, après c'est parti sur les pays étrangers, tout ça, les départements français n'arrivaient plus à passer de mon côté. Là, c'était revenu là du vôtre, et puis là, paf, c'est reparti ailleurs.
Bon, ben, comme dirait l'autre, c'est le jeu. Si en relâchant le micro, ben, je vous entends plus. Alors, je vais d'entrée là, vous envoyer les bonnes 113-51 à vous. 212 QRA, bon QSO, bon contact. Et puis, si dès le coup ça remonte, eh bien, pas de souci pour moi, on continuera le QSO. Sinon, si vous m'entendez encore, les bonnes 73 à vous de votre côté. Profitez bien du soleil de la Côte d'Azur. Ici, de mon côté, c'est pareil, hein, c'est plein soleil. Le soleil cuisant même pour aujourd'hui. Enfin, hier, aujourd'hui, c'est même du cuisant. Vaut mieux rester à l'ombre. Donc, merci d'avoir répondu, les 73. À plus. Ok, ça arrive à passer encore un petit peu, mais c'est très très compliqué. Hein. C'est, ça remontait un petit poil, mais bon, ça remontait comme c'était tout à l'heure. Il y a pas mal de fading. Hein. Là, c'est vrai que c'est un petit peu sporadique. Là. C'est, voilà, c'est ce que je cherchais en plus. C'est assez sporadique, hein, c'est assez compliqué à sortir. Plus du bruit de bande là, de mon côté. Ok, bon, de toute façon, là, je suis pas sûr que ça va continuer bien longtemps comme ça, là, du côté du département 6. Donc, je renouvelle les 73. Et bon QSO, bon contact. Merci d'avoir répondu. Et bravo pour les conditions de trafic en mobile, là, dans une vallée en plus. C'est vrai que là, ça fait plaisir de voir justement des conditions comme ça qui sont complètement à l'opposé de la logique HI3COUM. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. C'est comme par exemple ceux qui vont utiliser entre guillemets des kilowatts. Bon, je plaisante en disant ça comme ça. Alors que d'autres, en même temps, vont chercher à être les plus QRP possibles. Puisqu'on peut très bien faire de bons DX avec 1 watt, voire même un demi-watt. Hein. C'est quand la propague est là, ça passe quand même. Hein. Voilà, merci à vous, bon QSO, profitez bien de la propague, à plus. Et c'est quand que je relâche le micro? Et voilà, ça tourne ailleurs. Là, vous voyez le marqué en bas à droite, Standby Beep. Ben, c'est un Roger Beep. Hein. Comme quoi, sur les décamétés, on en trouve. Pas tous, hein. Mais on en trouve. Donc, Roger Beep, Standby Beep, c'est la même chose. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, mais dans des conditions difficiles comme là, c'est bien pratique de l'avoir pour montrer aux stations à quel moment on relâche le micro. Tiens, retournons voir. On ne sait jamais. Attention, les stations en fréquence pour Dindé 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Oup. Oui, avant qu'il y ait une balise là qui se signale, j'ai entendu quelqu'un passer très très QRP là de mon côté. Les 73-51 à la station de la part de Dindy 33 Rémi. Voilà, sur le sud-ouest France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion, sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe.
Ah zut, il y a, je sais pas si c'est l'Espagne ou le Portugal, je sais pas de ce côté-là, là, qui est passé par-dessus. Bon, mais c'est pas grave, la station, si tu m'entends, les bandes se sont très renouvelées. Bon QSO de votre côté. Oui, le Roger Bip, Multibip, les bandes sont 13,51 de la part de Dandy 33. Voilà, sur du côté de entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, sur le département de la Gironde. Alors. Élargir permet d'entendre, de mieux entendre. Et bon, ça ramène un peu tout en même temps. Comment je suis ici? Ah, là, je suis déjà au maximum. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33, qui l'on s'appelle depuis le département de la Gironde. Petit test. Attention, les stations fréquences, est-ce qu'il y a du monde sur le canal 27? Depuis que c'est... Ah. Attention, les stations fréquences, est-ce qu'il y a du monde sur le canal 27? Il y a eu une époque où c'était une telle cacophonie partout, cacophonie journalière, sur le canal 19. Là, je continue ma phrase, Hachi. Les stations fixes et push, lancer les appels sur le canal 27. Bon, ça aussi, c'est pour ceux qui découvrent la CB. Alors, si je vois que je risque de déranger, là, je suis sur la fréquence des kilomètres. Si je vois que je risque de déranger, évidemment, je vais pas lancer d'appel. Ouais. Il y a un petit peu de monde, mais c'est à l'étranger. Attention, les stations à fréquence. Appel de 14 kilomètres 3301, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomètres depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilomètres 3301, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomètres depuis le département de la Gironde du côté de Saint-Émilion.
La pêche n'a pas l'air d'être bonne. Bon, là, ok. Ils sont où? Hey, y a du monde, mais d'où? Quel pays? En tout cas, vous voyez l'avantage d'un poste multimode. Bon, je ne parle pas d'un décamétrique. Hein. Ça, on oublie. On oublie le côté décamétrique. Si je suis dessus, c'est par rapport aux parasites que j'ai là chez moi. Hein. Mais autrement, juste au-dessus, là, j'ai le CRT 7009. Mais là, voilà, vu comment je vois le commencer là de mon côté, là déjà là. Dessus, c'est même pas la peine, ce serait par rapport à là, ce serait un signal entre 5 et 7 de bruit de QRM, QRN aussi permanent à pu pouvoir sortir qui que ce soit. Et pourtant, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais je préfère être sur le 7009 que le décamétrique. Donc c'est vraiment pour le côté filtrage que je suis sur le Yazu. Pourtant, j'ai failli le vendre pourtant. Je cherche un petit peu comme ça en fréquence. Non, Brest passe pas du tout. Là, je suis en position clarifiée. Hein. Bon, je suis perdu. Alors, je vais jamais au-dessus, sauf comme ça on écoute, mais je vais jamais prendre le micro au-dessus. Déjà, qu'est-ce que j'y ferai de plus? Ben, je vois pas. Et puis après, c'est beaucoup trop près des fréquences radioamateurs. Même si on peut penser qu'il y a la barge, ça peut éventuellement moustacher. Donc... je préfère d'autant laisser de la marge. Good luck and stay safe. And I catch you next time on a meeting on this frequency, my friend. 73 from 13 Echo Kilo 266 to the 30 Romeo Charlie 300, okay? Passe bien. Fabien,
sont préoccupés de la longueur de coaxial sérieux les deux. J'ai mis du 10 mm et j'ai mis aussi du RG58 dans mon arrière. J'avais pas de changement. Hein. Alors, la longueur de coax est un sujet qui divise, qui divisera toujours. Il y a deux écoles en fin de compte. D'un côté, on trouve qu'il faut calculer la longueur de coax. De l'autre côté, eh bien non, justement, c'est l'inverse. Car sinon, on risque de... Non, c'est l'inverse. Mais une chose est sûre, c'est que de toute façon, pour la longueur de coax, il faut prendre celle qui fera en sorte de ne pas transformer le câble coaxial en antenne. Donc source de tos et de problèmes, de complexité à régler l'antenne. Alors, à chacun son expérience, on va dire à ce niveau-là. Bon, les 73-51 tous, de la part de Dandy 33, 14 km 3301, et vu que la propag a l'air d'être tombée pour le moment, tout naturellement je redescends de ce côté-ci. De toute façon, les signes de remontée de propag, je les verrai tout pareil ici, hein, sur le 19.